Salut à tous, c'est Macon Minou, on se retrouve pour un nouvel épisode sur KOTOR. Dans le dernier épisode, on n'avait pas avancé grand-chose, on avait visité un petit peu ces plaines à la recherche de notre troisième épreuve. C'était pas très intéressant. Ok, on va petit à petit équiper tout le monde. Ok, tu peux me permettre d'un plan. Dans le jeu, le MMORPG, il y a beaucoup de... Merde, comment on dit? Putain. Comme dans tous les MMO, en fait, quand on avance, l'armure s'use, donc on doit la faire réparer. Et quand tu te rends compte, des fois, c'est un peu trop tard. Enfin, quand tu débutes le jeu, quoi. Quand t'as l'habitude, après, c'est un réflexe, mais... Yes. Bon, du coup, on allait où, à la base? Ces Mandaloriens étaient là. On va voir vite fait ce qu'il y a là-bas. Les propriétés, vous savez, c'est sûrement là où il y a les histoires de conflits. Ça m'intéresse pas pour le moment. Je veux vraiment avancer dans l'histoire. Là, c'est un cul-de-sac. Dégage. Ah. Je vois notre objectif. Ici, il y a une masse de chiens. On va peut-être pas aller directement. J'aurais dû sauvegarder, je pense. I will be your doom. Ok. J'adore cet accent un peu écossais. Duhani. Je me souviens toujours de Duhani, franchement c'est peut-être un des personnages qui m'a le plus marqué. Et ouais, franchement je suis fan. Je vous expliquerai pourquoi après. T'as déjà ton petit bracelet toi? What? Sure. Bah par contre ce serait bien que tu l'attaques gros parce que... Vous êtes fort, plus fort que moi, même dans mes ténèbres. Déjà, je trouve qu'elle a quasiment la même voix que Mission. Et bon, là, on peut pas trop voir, mais je me souviens quand j'étais plus jeune, je kiffais en fait cette race. Les Qatars, là, je trouvais ça vraiment... Côté mi-femme, mi-chat, c'était assez canon. Qu'est-ce qu'on va faire? Je m'appelle Duhani, et vous êtes sur mon territoire. Même si elle est franchement dégueulasse. C'est ici que j'exerce ma force noire. C'est l'endroit que vous avez envahi. Lorsque j'ai rejoint le côté obscur, c'est ici que j'ai trouvé du réconfort. C'est à moi. C'est à moi. Lorsque j'ai tué mon maître, Quatra, je savais que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. Et maintenant, je me délecte de ma puissance noire. Assez de pouvoir pour... Oui, je l'ai abattu au cours d'un entraînement. Mais cela n'a pas suffi. Que voulez-vous? Pourquoi est-ce que vous me harcelez? C'est toi qui m'attaques et... Oh. Je crois que si je fais ça, on la tue vraiment. J'ai pas envie de la tuer. J'ai basculé du côté obscur, et cette force coule maintenant dans mes veines. Je ne retournerai jamais au Conseil. Le Conseil vous a envoyé pour me tuer? Mensonge. On va sauvegarder, histoire de sauver un peu le truc, et on va essayer de retourner lui parler en mode un peu plus agressif quand même. Que voulez-vous? Vous... Ah merde, j'ai vraiment tué pour le coup.
Non, c'est pas du tout le but du jeu. Quoique, j'ai jamais fait une partie où je la tuais vraiment. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer? Théoriquement, il y a un personnage qui devrait être remplacé. Ah, je sais pas. Non, on va quand même charger parce que j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Que voulez-vous? Pas... Mensonge. Oh, oh. J'ai... Que voulez-vous? Parlez. Agis. Que voulez-vous? On va y arriver. C'est ça qui est pratique, ce qu'on peut essayer. Parlez. Pas la haine, la paix. Je suis ridicule. J'ai toujours pensé qu'ils me retenaient. Qu'ils étaient jaloux de... Je vous remercie pour vos paroles aimables. Ça marche toujours, les compliments. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Tant sur... J'espère que mon ignorance n'a pas causé trop de dégâts. Si seulement les choses avaient été différentes, j'aurais tant de choses à lui dire si elle était encore en vie. Le conseil me redonnera-t-il une... Le conseil peut pardonner. Je suis perdue. Laissez-moi. On est reparti. Je ne sais pas quoi faire. J'aurais tant de choses à lui. Le con... Si je leur... Peut-être qu'ils me réintègrent. Croyez-vous qu'ils me donneront une autre chance? Allez, viens avec moi. Je vais retourner au conseil et me soumettre à leur jugement. J'espère qu'ils me pardonneront. Merci encore. Je... Bon, j'aurais peut-être dû la buter quand même. Je le ferai. Un jour, je le ferai. Eh oh, Michael Jackson. Bon, du coup, ça c'est fait. Il faut qu'on retourne à l'enclave. D'une manière assez rapide, parce que j'ai pas envie de traîner. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas ou c'est un cul-de-sac? Trop tard. How'd you like that? Salut. A savoir qu'en off aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai parlé un petit peu à Mission. Et en parlant à Mission, j'ai un petit peu appris que elle. Je vais juste regarder vite fait. Chemin du Sud. On va aller vers le sud. J'ai appris donc qu'elle était. Elle m'a parlé un petit peu de son enfance, de son frère Griff, qu'il avait un petit peu. Qu'il avait un peu protégé quand elle était gamine et qu'il avait abandonné comme une merde pour suivre une petite nanette. Et depuis, elle avait plus de nouvelles. Bon, elle a l'air d'être fine accro à son frangin. Mais les gars, ils se tapent. Alors, du coup, niveau carte, on n'est pas très bien. Bon, c'est un peu l'exploration, hein, mais... on y va pas. Il faut que je check tous les Mandaloriens, il faut que je retrouve le droïde de machine. Putain, j'ai bien usé des medipacks, hein. Il serait peut-être temps que je fasse le plein. Sure. Ah là là, faut toujours se soigner ici. Down you go. Ah.
Quand on aura 5 minutes, on se mettra un petit peu tous les blocs de données. Bon, il n'y a toujours pas de droïde. Ok. Ça m'énerve tous ces kleps, franchement j'en peux plus. Ah, je crois que c'est le droïde qu'on cherche. C'est pas ce que je voulais faire, mais... Ouais, d'accord qu'il y avait un droïde dans l'histoire qui se battait. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Merde, il va où? Ils vont où tous là? Ha! How'd you like that? Down you go! You asked for this! Ah oui, veuillez m'excuser pour l'emploi incorrect de cette terre. Comme je vous le disais, je suis C8. Est-ce qu'elle vous a envoyé pour... Oui, c'est moi. Je suis là. Oui, mais j'ai mes raisons. J'ai peur que ma propriétaire ne se soit trop attachée à moi, jusqu'à l'obsession. Ah, ça, c'est même. Les femmes, moi. Elle est obsédée. Elle voit rarement d'autres gens. Elle s'isolait de plus en plus. En fait, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici et j'ai cherché ces chiens Cat. Je pense qu'il vaudrait mieux que je cesse d'exister. Bah, je suis là. S'il vous plaît. Je suis là. Quoi? Non. Vous la feriez souffrir ainsi? Oui, je suis un monstre. Normalement, je peux ramasser la tête, je crois. Je peux même pas. Bon, ok. Bon, écoutez, on va arrêter l'épisode ici. Moi je pense que je vais continuer de jouer et dans la prochaine épisode on va se faire cette petite grotte qui à mon avis va être très très intéressante. Donc voilà, hein. Si vous vous souvenez un petit peu, on nous a parlé des grottes tout à l'heure, le maître. Oh putain, regardez-moi cette face de cadavre. Il est vraiment en train de pourrir, le gars. Je peux pas zoomer. C'est dingue. Bon voilà, donc moi je vous dis à un prochain épisode. C'était Macogne Arminou, bye bye.